Eh bien, bonjour à vous et à tous les amis, c'est Mathias pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une petite vidéo test, donc Minecraft, enfin présentation test, hein, de Minecraft 1.10. Et oui, alors c'est un snapshot, je vous expliquerai comment on fait, bien sûr, vu que vous me connaissez, je vais faire à la fin du tutoriel. Alors, je vous avoue, j'ai créé un monde. Alors, comment on crée un monde? Alors, c'est tout simple. Alors, quand on crée un monde, c'est tout simple. Donc, déjà, il y a la version. C'est cool. Bien sûr, l'inconnu, c'est 1.8. Quand on crée, on voit un peu les pourcentages. Voilà. Donc, voilà. Bon, après, donc, on va jouer dans ce monde. Alors, j'ai regardé des petits trucs, mais j'ai même pas utilisé les blocs. C'est presque... Je sais pas quoi m'attend. Donc, on atteint dans un village de PNJ. Ce que j'ai vu. Donc il y a des villageois, donc on va communiquer avec eux. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'ils sont plus grands. Hein? Attends, d'où? T'es plus grand que moi. D'où? Attends, d'où? D'où? Hein? Bref. Les échanges, juste arrière. Bah, bien sûr, il y a toujours les. Voilà. Permet de. J'ai pas vraiment l'impression que ça a changé le contrôle. Ah si. Ah oui, alors l'auto-jump. Pour ceux qui... Bref, reprenons alors. L'auto-jump, comme je vous ai dit, alors contrôle. Voilà, donc l'auto-jump, pour ceux qui savent pas. C'est ça. En gros, on va voir un bloc. Donc souvenez-vous que dans les autres versions, je crois que l'1.9 s'est intégré l'auto-jump. Déjà, monsieur le PNJ, pourquoi tu pousses, hein? Bah, c'est... Il faut sauter sur le bloc, sauf que là avec l'auto jump c'est directement, voilà, donc pas besoin des escaliers, au lieu de sauter, non ça fait ça. Pouf, c'est attends, j'aimerais bien voir l'animation. Pouf, ah ouais, bah c'est normal, voilà, c'est, il y a rien de plus normal. Bref, après voilà, vous pouvez désactiver auto jump hein, comme on l'a vu. Bon, regardons, donc déjà il y a une langue. Est-ce qu'ils ont ajouté des langues? J'ai pas l'impression. Donc, pas de ressources. On va voir s'il y a des petites modifications. Non, c'est toujours la même chose. Options graphiques. FPS. Alors, j'utilise pas Optifine. Non. Indicateur A, viseur. Ok. C'est cool. Ombre des entités. Oh, c'est bien. Paramètres du détecteur. Bon, ça ne sert à rien. Ah non. Pas d'améliorer toutes ces données confidentielles. Si c'est pour votre bien, si vous êtes libre de décider. Ok. Bon, c'est graphique après tout. Bon, musique et son, il n'y a rien qui. Ah si. Donc, alors, il y a les sous-titres. Alors, c'était déjà là pour l'1.9. Par exemple, si je tape un. Voilà, vous voyez, mouton blessé, bruit de pas. Je peux casser des blocs. Vous voyez, donc c'est. Très pratique, et ça c'est ah, mais c'est pratique ça, mais pas besoin de regarde, oui, de celle qui saute là, regarde, et là il te met le pointeur, voilà, tellement de moutons. Ok, c'est pratique, sauf que ça nous intéresse pas, donc non, c'est pas là. Ah, alors voilà, je vois après. Ok, je crois qu'on a tout vu. Alors là, normal qu'on pas mis. C'était déjà là. Donc, alors, personnalisation du skin. Donc, vous avez les droits. Bien sûr, vu que je suis cocher. Donc, dans la vraie vie, alors je mets cocher, hein, pas vrai, mouton. Hein? Oui, hein, vous êtes bien d'accord. Hein? Bref. Maintenant, on va passer à l'inventaire. Bien sûr, l'Electra, enfin, le truc, c'est déjà ajouté. Rien n'a été ajouté, voir les boutons. Mais dans les blocs, ce que j'ai aperçu, c'est... Regardez, on va apercevoir déjà les... Voilà. Oui, alors j'ai oublié. Donc là, il y a les chemins de terre. Ça ressemble les blocs de la savane. Vous ne trouvez pas? Moi, je trouve que si. Voilà. Donc alors là, on voit qu'il y a le choix. Dans certaines maisonnettes, c'est du bois ou de la pierre. Là, ce que j'ai l'impression, c'est qu'ils ont remis, on dirait refait ces maisons
Là, on dirait. On dirait. En vrai, je dis pas le contraire. Ah, bah, là-bas, il y en a un autre. Bien sûr, il y a. On va voir un autre. Ouais, bon, c'est la même chose, on va dire. On va rester dans ce village. Donc, apercevoir. Et on va voir le coffre là-bas. Voilà, les fameux coffres, ils ont changé un truc. Ah si, ah non, je crois pas, non. Ah si, quoi que, je crois qu'il était dit avant. D'où tu me pousses, toi? Ah non, c'est quel boulot, quoi. Avant, je crois qu'ils étaient... Ta gueule. Voilà, comme ça. Ouais, c'est pas si mal, finalement, la disposition de ces coffres. Ok, il n'y a rien qui a changé. Du PBJ, bref. Bien sûr, on peut pousser, enfin... Oh purée, ça m'énerve. C'est tellement habitué. En fait, tu t'habitues vraiment à 1.8 ou à 1.9, je ne sais pas, je crois que c'est à 1.9 que ça a été appliqué, qu'à la fin, tu ne sais même plus. En fait, ça t'énerve. Ok, bon. C'est sympathique. Par contre, ce que j'aime pas, c'est ça. Regardez. Là, tu vois, il y a le chemin, et là, il faudrait que tu je comprends. Donc alors, dans les nouveaux blocs, dans les nouveautés, donc ça c'est l'1.9. Donc l'1.9 c'est ça, donc c'est bloc. Voilà, vous avez dû tester sans doute l'1.9. Et nous on a comme nouveauté le magma bloc, le nether bloc, et le roi du nether bloc, et le bone bloc. Voilà. Brick de land, je crois que ça aide. Ouais, c'était depuis la 1.9. Alors on va voir tous ces blocs. C'est bizarre. Ok. On va les disposer comme ça. D'ailleurs, on va faire les gemmes. Ah non, c'est vrai. Game and mode. 0. Donc là. Donc alors le bon bloc, je ne sais pas. Et est-ce que. Ah si. Ah ouais. Mais en fait, c'est super bien. Merci Mojang. Parce que, vous savez, là, on va dire techniquement dans les jeux vidéo, pour que le slab, tu me pousses, hein, si tu veux faire le gros. En gros, déjà, je vais désactiver, voilà, comme ça, il n'y aura pas les slams qui vont nous gêner. Parce que dans Super Mario, enfin, vous voyez, il y a le bloc piquant, vous savez. Et en gros, c'est un peu comme ça. Ça fait un peu le rôle comme ça. En gros, tu fais une map Mario. Et pour les petits piquants, tu veux voir, voilà, les petits piquants, là. Vous cliquez dessus et ça va faire un peu le rôle des petits piquants. C'est drôle. Ah, par contre, c'est dessus. Ah. Alors, est-ce que ça déverse? C'est un trou. Ah non, c'est juste dessus. Ah, ça, c'est par contre, ça, c'est moins bien. Donc, bien sûr, vu que je régène, c'est. Voilà. Donc, ça, c'est quoi? Uniquement décoratif. Ok. C'est bien à savoir, quand même. Hein. Ah, si. Alors là, on voit que c'est penché. Je ne sais pas si c'était ajouté. Mais vraiment, ça ressemble vraiment. On va voir les airs. Voilà, comme ça. Et on va prendre le câble. En fait, le seul truc que j'aime pas dans ces nouveaux blocs, voir que ça c'est magnifique, c'est que ça. Et attends, je me suis bloqué. Voilà. Voilà. Le petit problème, comme je disais, je suis un tatou. Donc, je disais, le problème avec ces blocs-là, tous ces nouveaux blocs, à part qu'ils sont géniaux, qu'ils sont beaux, trop bien. Il ressemble vraiment à nos anciens blocs, par exemple le card. Celui-ci, vous trouvez pas qu'il a une ressemblance? Lui comme ça, et lui comme ça. Ce qui est un peu... Alors, tu vas me dire, mais qu'est-ce qu'il y a? Ben, en fait, ce bloc-là est un peu rouge. Ça, c'est un peu pareil, c'est quasiment pareil. Et par contre ça, vous allez me dire, ouais, mais quelle est la différence? Regardez-moi ça, là, les traits, comme ça que je fais. C'est pareil que ça, à peu près. En fait, c'est juste rougi et là. Donc, ce qui est vraiment. Voilà, parce que si tu tapes Nether, le truc c'est que tu.
à part que tu vas très peu, tu vas moins te confondre, ça va être quand même lourd. Voilà. Alors dans les plus petites plantes, qu'est-ce qu'il y a de nouveauté pour l'instant? Pour rien. On va voir. Oui, bien sûr, le reste, il n'y a pas par les niveaux de leur point de vue. Mais en redstone, rien, apparemment rien. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui... Ah, ça doit être avec le coffre protégé. Ça, il n'y a rien de nouveau. C'est dommage. Et là... Attends, c'est quoi ça? Polar? Bien. Attends, je crois qu'on tient un scoop. Attends, on regarde ça. Ça, on l'a. Slime ami. Alors, ce que je disais, c'est que ça, c'est un nid dans la 1.9. Attends, on va le retester parce que j'ai pas vraiment testé. Ok. Ok, ça nous attaque. Ça fait des bruits chelous. Ah, ouais, ben la lévitation. Tu vois que j'ai l'impression. Bonjour! Ici Superman! Ah, c'est complètement. Ah, ouais, quand même! Bon, vu qu'on est en. Bye bye. C'est vraiment pratique ça, ce dégo. On va pas s'attarder avec ces mobs de 1.9. On va s'intéresser à 1.10. Enfin la snapshot. Allez, tu te la fermes. C'est complètement tout. Allez. Voilà, encore quelques bouts et ça c'est mort. Bien sûr, on va mettre cette date. Ça nous emmerde. Donc on va le dire comme ça. Et on va aller faire un petit tour dans notre ami Nether et Ender. Pour voir le polar bear. Ah, c'est un ours polaire. Qu'est-ce qu'il est? C'est un ours polaire. Il manque plus que les oiseaux, les poissons. Enfin, les poissons, ça existe. Hein. Je dis pas le contraire, mais dans l'eau. Par exemple, voilà. Regarde, il est trop choupi. Par contre, si je me mets en. Voilà. Game mode 0, ça fait quoi? Et que je les frappe. Ah ouais. Et s'ils font mal, par exemple. Attends, je vais faire par la difficulté. On va mettre 1. Ah ouais. On est trouvé le truc. Pourquoi il va pas me sniper, hein? Regarde-moi ça. On dira qu'il est content. Il vient. Pour moi, c'est une très bonne manière pour l'emmener chez nous. Faut l'avouer. Voilà, donc c'est complètement ouf. C'est un truc oufissime. Par contre, il est très vite énervé. Par contre, quand je me suis mis... Ok, bon, polar, c'est vraiment cool. Donc, alors, les flèches... Il n'y a rien de nouveau. Ici, il n'y a rien. Dans les potions... je crois qu'il n'y a rien de nouveau. Ah si, alors ça, je crois que ça existait depuis 1.9. Je ne sais pas à quoi ça sert. Donc, niveau armure, il n'y a rien, comme je l'ai dit. Niveau ici, il n'y a rien. Il y a la pétrole, donc ça, on s'en fout. Maintenant, on va visiter le Nether et l'Ender. On va prendre. Attends. Voilà, obsidienne, je tiens que je m'en souviens. Le fameux petit briquet. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas comment faire un portail, c'est juste ça. Donc on va voir s'il y a des nouveautés ici. Bien sûr, vous me connaissez. On va créer notre portail.
Enfin, c'est, je sais pas, c'est une... Attends, là, il y a plus de portail. J'ai l'impression qu'il y a un nouveau disque, non. Alors, on va prendre le portail. Là. Que d'après les tutoriels que j'ai su, cette fois-ci, on va aussi aller dans le Nether, comme je vous l'ai dit. Donc, on prépare les portails. Si je ne me trompe pas, c'est comme ça. Et puis après, je suis le professeur des portails. Ok. C'est bizarre. Ah non. Ok. Bon, c'est sympathique. Attends, je suis con, toi. Waouh. Bon, après avoir eu l'incroyable bannière pour avoir l'ordre portail, sachant qu'il n'existe pas, il fallait faire la commande cette vidéo si vous la passez. Je me souviens sur les coordonnées que vous devez passer. J'ai réussi à la voir, mais bon, le portail, c'est voilà à quoi ressemble le portail. Voilà, pour ce qui se demande. Bien sûr, j'ai fait plusieurs tests, hein. Ça n'a pas fonctionné. Bien sûr, j'ai essayé avec le bloc de commande. Vous voyez. Et compagnie. Donc, on va tout de suite aller dans le portail. Alors déjà on va l'honorer, hein, on va honorer le portail 1, non, l'1.9, enfin l'1.10. Voilà, j'y vais directement, et je fais le même terrain. Pour l'instant ça se présente bien. Donc moi je vous retrouve après le chargement. Ah. Enfin, en fait il y a un peu bugué, hein. Bien sûr, alors on attend. Ah, voilà. Donc, on va voir le Nether. Pour l'instant, il y en a l'air de changer. Pour l'instant, le Nether est comme ça. Ok. Rien n'a changé, strictement rien pour l'instant. Bien sûr, on va rester au lieu de faire. On va prendre le blog du Nether, moi. Le Land. Bien sûr, on va faire une tour pour dire que c'est là. Je sais pas, déjà ça lag. Je sais. Ouais, bah ça n'a pas vraiment l'air d'avoir changé. Mais on va dire que ça n'a pas changé. À part de couper de lumière. Ça n'a pas changé, on va dire comme ça. Voilà. Pour les petits curieux, ça n'a pas changé. Enfin, j'ai l'impression. Enfin, peut-être que j'ai faux. Voilà. On va tester maintenant le lander. Il est où le portail? C'est pas envolé quand même. Et il est là. Hop là. Voilà. On va dans le lander. Le même bruit. Ah oui, par contre, j'ai pas pensé à un truc. C'est. On peut pas rentrer. Ok, là il y a l'Under Iron. Ah, parce qu'ils ont déjà préparé la mort du dragon. C'est sympa. Alors il y en a qui sont protégés. Par exemple, eux. Ah, c'est pas mal. Par contre, ils n'ont pas pensé qu'on peut rentrer. D'ailleurs, c'est pas ça que t'es moche, mais bye bye. C'est n'importe quoi. Alors, apparemment, ça se peut qu'il y a des villages de Lund. C'est quoi ça? J'aimerais bien en apercevoir un, hein, enfin, d'en voir un village. Ça pourrait être marrant. Enfin, bien sûr, c'est à ajouter depuis l'1.9, mais. C'est quoi ça? Non, non, le petit reste de ville. On va. C'est vraiment bizarre. J'ai l'impression que rien n'a changé, hein, que la dernière fois. Parce qu'il y a ce. Attends, si ça se trouve. Non, je sais pas.
T'es où? Attends, déjà on va faire une crêpe plus. C'est là. Par contre, ça va être cassé. Pas ouais. Oh. Ah, parce qu'il peut nous balancer des boules de feu. Enfin, apparemment. Attends, rebalance les boules de feu, s'il te plaît. Mon ami, balance des boules de feu. Tu balances des boules de feu, oui ou non? Allez, qu'on coupe du poil. Attends, bah, vu que tu veux pas mourir, apparemment. On va le faire nous-mêmes. On va faire quoi? Ok. Bon, voilà. Je vais donner poison. C'est où le dragon? On de pute. Aïe, il reste. Je sais pas. Il vient de rentrer dans des blocs. Oh. C'est vraiment pratique. Ouais, c'est mieux ça. Mais balance les boules de feu. Reviens à ta route. Attends. Il est où là? On va prendre des flèches lenteurs. Et pour la partie qui me fait laguer comme un faux poids. Ça va. On va le attends, seconde, F3, on dit 68, 11. Non, 10, 68, 11. C'est arrivé. Pop. Bloc placé. Je vais retourner. Attends, c'est moi, oui, je veux. Il me fait tellement laguer l'autre là. Ah, enfin, oui. Oui, bah, après l'animation, ce qui est bien. Rien à faire. Voilà. C'est quoi ça? Un petit peu de génération à part ça. Bon, à part, regarde, dans le F3, il y a ça, bon. Ça n'a pas vraiment changé. Voilà. C'est vraiment bon. Attends, qui 77, 76. Et bien si en fait j'avais. Bref. Et ben voilà. Hein. Et ben si ça t'a plu cette présentation un peu de 1.9 testons un peu comme celle-là, 1.10, désolé. Ben, mets un j'aime et mets un commentaire si t'as envie, une question. Et peut-être que j'ai pris la main gauche, je sais pas moi. Bref, bah moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Partage la vidéo, mais lâche un like, abonne-toi pour me suivre, regarder mes prochaines vidéos. Et moi je te dis à la prochaine. Allez, bye bye.